Incendie dans un restaurant à Utenheim. Il était 5h30 lorsque les pompiers ont été appelés. Des flammes sortaient du rez-de-chaussée du 24 rue du Général de Gaulle, une maison alsacienne de 200 mètres carrés qui abrite le restaurant. Le feu, qui a touché le plancher et les cloisons en bois, a complètement détruit la salle de restauration. L'incendie a commencé à se propager aux deux appartements en duplex situés aux étages. L'un d'eux, que le propriétaire venait de refaire, était encore inoccupé. Dans le second, à l'arrière, réside un homme de 62 ans qui a pu sortir par ses propres moyens. Choqué mais pas blessé, il a été pris en charge par les pompiers mais son état n'a pas nécessité de transport à l'hôpital. Il sera relogé par le propriétaire. 21 pompiers venus de Utenheim, Benfeld et Erstein étaient sur place. 7 engins ont été mobilisés dont l'échelle pivotante automatique d'Erstein et un véhicule d'assistance respiratoire venu d'Obernai pour remplacer les bouteilles à oxygène utilisées par les pompiers. Une enquête a été ouverte par la brigade de gendarmerie de Benfeld pour déterminer les causes du sinistre. L'hypothèse criminelle est privilégiée par les enquêteurs dans la mesure où la caisse enregistreuse du restaurant a disparu. Le montant qu'elle contenait n'était pas encore connu ce dimanche soir. Des techniciens en investigation criminelle sont attendus ce lundi matin au restaurant.